Donc, il faut être plus fort qu'eux. Hein, eux, ils sont en club, ils sont aisés. Donc, dans la tête, il faut être plus fort. Moi, je suis un gagnant. Vous aussi, vous êtes des gagnants. La compète, c'est la compète. Cet après-midi, c'est la compète. Donc, on perd pas, quoi. On prend pas de but derrière. Et on leur met, parce qu'on veut gagner le match. Après, qu'il arrive, ils sont plus forts, ils sont plus forts. On prend un but, il met une lunette, c'est le jeu, ça n'a rien à voir. Mais si nous, on a mis notre 100%, on a mis notre 100%. Et quand on met notre 100%, bah, vous êtes en valorisation complète. Par l'équipe. Ça, c'est important. Ouais, mais ça, c'est les gonces naturelles, mais... Oh, marche. T'énerve pas, il reste encore 30 secondes. Lundi, on va avoir les sourires parce que on sait qu'il y a des bons mecs et voilà, donc on passe des bons moments, on bosse bien et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on est performant sur le terrain parce que la bonne ambiance c'est bien, mais si tu bosses pas derrière, ça marche pas. Hein, donc voilà, tout va bien pour l'instant, puis ça permet de garder le moral. Non, c'est jamais facile parce que les joueurs d'abord sont de qualité et en face on a eu affaire, ils l'ont montré encore aujourd'hui, que c'était des joueurs talentueux mais déterminés aussi parce que bon, ils ont envie de rester dans le circuit, ils ont envie de retrouver un club et donc ils viennent pas pour faire la figuration, ils l'ont prouvé. Ça va, nickel. On rigole, on fait des petits apéros. Non, franchement, on s'entend tous bien. On est dans un cadre génial. On s'entend tous bien ensemble, que ce soit les jeunes ou les un peu moins jeunes. Donc, ouais, il y a une très bonne ambiance dans des conditions de club professionnel. Donc, Et surtout, maintenant, t'as la condition physique. Voilà, je suis au top. Je suis creux. Il a été asphyxié, Bobo, là. C'est comme si on formait une équipe en tout cas. Nous, on est tous dans cet état d'esprit, donc je pense que c'est grâce à ça qu'on fait des bons résultats en ce moment. J'espère que ça va continuer dans les matchs à venir. Son métier c'est pas un footballeur, il est masseur de l'équipe internationale de l'UNFP. Et là il a envie de rejouer, il a envie de retrouver un club. Il est en manque de ballon là. Ouais, on le voit. Hein. Et puis il est affûté, hein. Il court tous les matins. Là, je pense qu'il aimerait bien retrouver un. Je pense qu'il peut retrouver un club en tant que déjà dans son métier masseur parce qu'il est excellent. Mais en même temps, il peut être sur le terrain et il peut faire des choses sur le terrain, accompagner les joueurs. Il peut même prendre la place sur un côté. Non, c'est un excellent collaborateur. On aurait dit le fils de Pape Diouf quand je parlais. Le fils de Pape Diouf. Ouais. Oh yeah! Oh non! Max, ça marche la carte? Ça va, Max? Non, parce qu'à les offres, il y a plus de hein? Non, ça va pas, non, ça va pas là. Ah, t'es mon collègue. Moi, j'ai craint, mais j'allais à chaque fois. Et le buteur là quand même. Ouais, le buteur quand même, raconte-nous ton but un peu. Alexinho. Parce que tout le monde s'est dit il va jamais frapper, mais finalement si. C'est Guigui, Guigui il contrôle dans l'axe et il la sent, il le sent que je suis. Il le sent. Parce que Guigui sent tout. Après il décale, après je tente ma chance et. Et la balle elle a fait bon 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 bon. Et l'espagnol il bon, se bon, bon. Ah, je te vois toi marcher par le devant. Moi je me dis il peut le faire, mais il va pas le faire. Il est calé. Mais oui. Tout le monde croit que je vais pas frapper. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est le petit robot qui va bien là. Et il apprend entre les gens. Il apprend entre les gens. Mais oui, il a cru que c'était du handball. On vous quitte là dans ce qu'il y a à faire. Donc on vous souhaite bonne chance pour trouver les clubs. Donc mettez tous vos atouts de votre côté pour faire ça.
dans ce que vous allez faire par la suite. Il y a des observateurs, ça veut dire qu'ils sont là et par la suite ils vont peut-être encore vous observer d'une manière indirecte sur les matchs que vous allez faire par la suite. Donc ne relâchez pas là-dessus, ne relâchez pas. D'accord ? Et bonne chance à tous là-dessus. Merci, merci. And for second place for France. Ce que je dis à Stéphane, nous, tu sais, on est dans l'ombre, on regarde, on est content d'être ici. Bon, deuxième, c'est... Hein, c'est bien, tu sais, nous, on ne veut pas décourager les autres nations. Donc, on a montré nos compétences, mais on reste deuxième, tranquille. Bon, c'est dommage, on a été licencié avec Serge, donc ça on regrette un peu, quoi. Mais bon, on espère que... Notre contrat sera renouvelé. Non, pas avant quelques années. Contrat avec un club. Et qu'on ne vous verra plus pendant 10 ans, au moins.